parti, je regarde si le son est bon, si ça démarre, c'est parfait. Alors j'écris en même temps, donc vous inquiétez pas. Donc là, D'accord. on est en contact des fins et nous sommes le 4 octobre 2023 avec Stéphane, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour Émilie. Ok, allez. On y va, je vais agrandir la photo. Hop là. Ok. Alors, dès que j'ai des choses, ça démarre petit à petit, puis après, voilà, on se laisse porter par le défunt. D'accord? D'accord. Son départ, il est récent. Mars 2021. Ouais, c'est assez récent. Mais c'est quelque chose de brutal. Oui. Ouais, ok. Il a eu quelque chose au cœur. Non, il n'a pas eu, il a rien eu au niveau du cœur. Ouais. Mais, ok. C'est, C'est alors, mon mari, en fait. ouais, ok. Il me l'aurait dit après, c'est pas grave. Par contre, je sens comme une douleur au niveau du côté du cœur, c'est pour ça que je vous demande. Sur le côté. Vous voyez, sur le côté au niveau des côtes. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi. Vous avez pas mal là, vous? Non, c'est le bas du dos que j'ai mal. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors il arrive, il a un grand sourire. Alors au départ, c'est un peu bateau ce que je dis, mais voilà, je vous dis ce que je vois. Et il est très souriant, il est très content que vous soyez là. Mais il me paraît rigolo, votre mari. Oui. Ouais, il est très rigolo. Il va bien. D'accord. Il s'excuse. Je ne sais pas pourquoi, mais il me dit je m'excuse de son départ. Forcément, ouais. On l'a pas vu venir. Ouais. Ok. Il me dit de vous dire de ne pas oublier qu'il vous aime. D'accord. Il s'est ôté la vie. Ouais. Alors, pourquoi je le ressens? Parce qu'en fait, quand quelqu'un part de cette manière, j'ai comme un voile blanc. Vous voyez? D'accord. C'est. Ok. Il va bien. D'accord? C'est important parce que il y a beaucoup de on dit sur les personnes qui décident de partir, par laquelle qui sont dans le bas astral et tout le machin, alors que c'est faux. On va tous au même endroit. D'accord, bon, moi c'est le principal. Ouais. Mais il n'avait pas le choix, c'est fou ce que je dis, mais fallait que ça se termine. Vous savez la raison pourquoi? Pour l'instant, il ne me le dit pas. Par contre, moi, je le sens, je ne sais pas si vous parlez de ses tracas, mais je le sens surmené dans sa tête, vous voyez ce que je veux dire? Bah, il disait en fait qu'il y avait une boule noire dans sa tête, mais je ne savais D'accord. pas pour quelle raison. Ouais. Même si avec son employeur, c'était pas que son employeur, mais avec ses collègues de boulot, son chef, c'était compliqué, et sa famille, c'était très compliqué. Ouais. Alors, c'est fou ce que je vais vous dire, mais il se sent mieux là où il est. D'accord. Ouais. Même si, malgré le chagrin qu'il a pu causer, il s'en excuse. Voilà. Mais dans sa tête, voilà, c'était pas. Ça allait pas, quoi. Vous voyez, c'était. Je pense. Je sais pas si il vous disait tout, mais voilà, c'est quelqu'un qui. Qu'en avait ras-le-bol. Hein. Donc, voilà. Il espère que vous comprenez. Oui, bah, on essaye de comprendre, mais en fait, son départ nous a fait beaucoup de mal, en fait, Ouais. il nous fait encore du mal. C'est normal. Il est d'accord avec ça, hein, il le sait. Hein. C'est pour ça que
Il tient absolument à s'excuser, mais en fait, il me dit que s'il était resté, ça aurait été encore pire. Pour lui, c'était pas possible, quoi. Et en fait, c'est comme s'il vous protégeait de tout ça, vous voyez? Il me protège au moins de sa famille. Ouais, c'est possible, ouais. Par contre, il me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Suite. Pardon? Suite à quoi? Par rapport à la famille. Ah oui. Bah moi, ils m'ont mis carrément de côté, ces enfants-ci. Ouais. Ok. Ouais, il me parle de mensonges. Donc, s'il y a des choses qui ont été dites, faut pas tout croire, quoi, en fait. D'accord. Maintenant, ce qu'ils me mettent, en fait, la responsabilité intégrale. Ah ouais, carrément. Ça, c'est pas cool, ça. Parce que non, 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 hein, c'est vraiment par rapport à la vie. Mais ça datait pas d'aujourd'hui, hein, tous ces problèmes. Il y a des choses qui datent, hein, de sa jeunesse aussi. Il hein. Y a des choses qui l'ont marqué, vous voyez? D'accord. Bah, le décès peut-être de son meilleur ami. Ouais, c'est possible. Ça l'a très marqué. Bah, maintenant, ils Ouais. sont ensemble. Ils sont Et là-haut tous les deux. ouais. Ça l'a marqué. Ouais. Et il est parti accidenté, son ami? Oui, en Ouais. moto, accident de moto. Ouais. Mais il l'a retrouvé, hein. Là, il est avec Ouais. Martial. Il avait peur de ça, en fait. Alors, de par son geste, voilà, il a eu quand même du courage de le faire, mais il avait peur de se retrouver seul. Et en fait, non, non, il a retrouvé son ami. Et il est bien là où il est, c'est fou, hein. Mais ouais. Il vous a laissé quelque chose? Il vous a laissé un courrier ou quelque chose? Rien du tout. Parce que, alors, je vous pose la question parce qu'il me dit qu'il aurait dû laisser quelque chose. Qu'il aurait dû écrire quelque chose. Vous voyez? D'accord. En fait, il a été égoïste dans son acte. Il n'a pas réfléchi à tout ça, en fait. D'accord. Ouais. Ben, j'aurais aimé, en fait, au moins, comme ça, faire montrer à sa famille que je n'étais pas responsable. Alors, il me dit, il y a eu des choses avec ses parents quand il était jeune, parce que il me dit qu'il y a déjà, par rapport à la famille, il y a déjà une part de responsabilité par rapport à eux. Vous voyez? Bah, il a toujours été le vilain petit canard de la famille. Voilà. Donc, c'est un homme qui n'a pas été considéré, que quoi qu'il fasse, ça n'allait pas. Et du coup, bah, ça ne l'a pas aidé, hein, pour évoluer dans sa vie. Vous voyez, il a grandi comme ça, quoi. Par contre, il dit de vous que vous étiez son repère. Oui, il me le disait ça. Ben, il vous le redit aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, quand il dit, il y a des mensonges, ne croyez pas ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, les gens qui ont une certaine culpabilité, parce qu'ils savent, hein, de toute façon que dans l'évolution de Stéphane, de la manière dont il a été traité, ils ont une part de responsabilité du fait que psychologiquement, il n'était pas stable. Et du coup, c'est pour ça qu'il tient à vous dire aujourd'hui que les gens, bah, en fait, les gens qui accusent l'autre de son geste, en fait, bah, ils veulent se dégager de comment je pourrais expliquer ça? De la responsabilité. Voilà, ils veulent et en fait ils mettent ça sur votre dos, quoi. Il me montre une bague. Oui, c'était ma bague, mon alliance, et en fait, je vais les faire fondre toutes les deux pour pouvoir les mettre en un seul bijou. Voilà.
Et ben, il est content de ça. Il y a un tatou par rapport à lui. Comment? Est-ce qu'il va y avoir un tatou, un tatouage? Oui, je l'ai déjà fait depuis son décès. Ouais, parce qu'il lève les pouces, il est content. Oui, je l'ai fait à mon avant-bras. Il est content de ça. Par contre, il est très rigolo. Il a, franchement, il a le sourire. Il est bien. Ouais, je suis Il se sent contente. bien. Vous voyez, il se sent libéré de tout ce poids-là. Hein? Qui me guide maintenant? Il vous fait des signes. Hein? Il vous donne des signes. Alors, je sais pas si j'interprète bien, parce que des fois, ça peut arriver que j'interprète D'accord. mal. Est-ce que vous dormez avec des t-shirts ou quelque chose à lui? Non, plus maintenant, mais Mais vous avant, l'avez oui. fait, oui. Ok. Ok. Parce que quand j'ai été voir en fait une médium sur Cherbourg en début d'année, en fait, il m'a demandé d'enlever en fait le maximum d'objets qui lui appartenaient pour que je puisse avancer à mon tour. Ah bon? D'accord. Ok, c'est étonnant. C'est étonnant parce que, au contraire, si ça peut vous faire du bien, les défunts, justement, ils ont rien de. Parce qu'en fait, il voyait que ça m'attristait. Non. Non, parce qu'ils me parlent de ça, justement, donc. Non. Bon. Mais par contre, quand vous allez vous coucher, il vient avec vous. D'accord. Alors, pourquoi j'entends cette chanson? Il écoutait du Scorpion? Ok, oui. Il adorait ces chansons-là. Ouais, je l'entends. Alors, c'est celle qui est. C'est quoi le titre? Staline, Styling You, un truc comme ça, non? Oh, ouais, I'm Loving You, un truc comme ça. Vous voyez? Ouais, et Ouais, ben c'est c'était notre celle-là. chanson de notre mariage. Voilà, c'est celle-là que j'entends. Oh, j'en ai des frissons. C'était la chanson de notre mariage. Mais par contre, je vais quand même contredire la personne que vous avez vue. D'accord. Parce que, au contraire, les objets ne peuvent que vous aider. D'accord, parce que je me D'accord? suis énormément rattachée en fait à sa photo, Ouais. je l'ai gardée près de moi, Ouais. et beaucoup tout ce qui était bougie et tout ce qu'on m'a dit qu'en fait il aimait bien que j'allume des bougies comme je faisais en fait avant. Ouais, mais tout ce qui lui appartient, si vous avez, vous le ressentez que vous voulez les garder, gardez-les. Si Oui, vous de toute avez envie façon, de tous ces bijoux dormir, sont avec moi dans ma chambre. ben voilà. Donc surtout ne vous interdisez pas. Ça, franchement, je trouve ça aberrant. Mais bon. Ouais. Non, non, au contraire. C'est pour ça, si vous voulez remettre un t-shirt pour dormir, faites-le. Au contraire. Au contraire. Bah, de toute façon, j'ai toujours ces deux suites en fait avec moi dans mon placard. Ouais. Donc, non, Il n'y a non. plus rien en fait qui sont sortis en fait de mon placard, mais tout est encore dans mon placard. Ouais. Mais si vous en avez envie, faites-le. D'accord. Hein? D'accord? C'est important. Alors, il est fou amoureux de vous. Hein. Par contre, il me dit que à l'avenir, quand vous vous sentirez prête, il faut ouvrir votre cœur. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que vous restiez bloqué le jour de ce départ, etc. Vous voyez, il faut que vous évoluiez. C'est ce qu'il souhaite. Vous voyez? Il veut vous voir heureuse. D'accord.
Il vous fait plein de bisous. Je le vois faire, il vous fait des bisous partout. Trop mignon. Alors, j'ai 2 mois. J'ai le mois de novembre et j'ai le mois de juin. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Bah, je sais pas, parce qu'en novembre, il n'y a personne. Ah bah novembre, c'est l'anniversaire de sa sœur. Et juin, c'est l'anniversaire de son papa. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Alors, c'est fou, hein, mais il y a différentes personnes quand même de la famille, même si c'est pas une famille qui a été top. Ils les aiment quand même. Il me dit que votre rencontre l'a vraiment sauvé, entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il me dit, mais j'ai l'impression que vous étiez vraiment son rayon de soleil, quoi. Je veux dire, vous voyez, vous avez apporté de la lumière. Bah, c'est surtout qu'on avait 19 ans d'écart Ouais. et que c'est moi en fait qui a fait le premier pas, et lui il voulait pas parce qu'il y avait une trop grosse différence d'âge, il avait peur du regard des autres, et finalement bah, il a dit bah c'est pas grave, coûte sur coûte on va avancer à notre rythme, et puis voilà, en fait c'est fait. Et en fait, il vous remercie parce que vous lui avez fait vivre des choses qu'il n'avait pas vécues avant. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que vous êtes sa lumière dans son incarnation, vous voyez, hein? Mais ouais. Alors là, je ne sais pas pourquoi il montre ça. Il me montre une enveloppe et il met des choses dans une enveloppe. Bah ça, je sais pas. Ouais. Il ne mettait pas d'argent dans une enveloppe. Si. Ouais, c'est ça qu'il montre. Je ne sais pas pourquoi il montre ça, hein, mais il me montre qu'il met de l'argent dans une enveloppe. Peut-être le fait parce que je pars en voyage au mois de mars. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Mais voilà, il me montre qu'il y a de l'argent dans une enveloppe, qu'il met dans une enveloppe. Ok, si ça vous parle, tant mieux. Mais Peut-être que sinon, oui, on mettait souvent notre argent en fait en liquide dans une enveloppe. voilà. Ok. Vous n'avez pas eu d'enfant avec lui? Si, trois. 3 enfants, ok. Il a eu que des enfants en fait avec. Ouais. Les prénoms, s'il vous plaît, des enfants. Enora, Et non. Enora, Ouais. Ethan, Ethan, et Joris, Joris. Ok. Et l'âge? Alors, Enora, elle a 13 ans, Ouais. Ethan, il a 10 ans, et Joris, il a 6 ans. J'avais noté 6. Mais il les embrasse très très fort. Hein. Pareil, une grande fierté entre ses enfants. Ouais. Bah, il a toujours été proche de ses enfants. La petite là, c'est sa princesse. Hein. Joris, le petit dernier, vous voulez dire, ou c'est Nora? Et Nora, sa Et Nora? princesse. Ouais. Il est Pourtant, blond. elle a un caractère de cochon. Ouais, mais bon, ça, après, c'est parce que c'est la seule fille. Hein. Mais Joris, il est blond. Oui. Ouais, il me le montre. Il a pris énormément dur en fait, mais maintenant. Ouais. Que maintenant, parce que Stéphane a mis fin à ses jours le 15 mars et Joris c'est du 17 mars. Ah ouais, ok. Et c'est que maintenant en fait qu'il prend énormément de difficultés, Joris. Ouais.
Mais il me dit que vous saurez, et en plus vous êtes dans cette spiritualité, dans cette croyance, ce qui fait que vous arriverez à aider vos enfants, à leur faire comprendre, etc. Hein? Bah, je leur cache rien, hein. Là, ils étaient au courant que je vous avais en fait en contact pour avoir des nouvelles de leur papa. Et ben, il les embrasse très fort. Vous voyez? Il y a un des garçons qui aime la moto ou la mobylette ou bon, ils sont petits encore, mais est-ce qu'ils aiment les motos? Non, pas plus que ça. Peut-être un peu plus Joris, peut-être le dernier. Ouais. Ils sont plus foot quand même. Ouais, le foot est là. Mais retenez quand même parce qu'on parle de moto. Ouais, peut-être qu'il y en a un en grandissant qui fera peut-être de la moto. Mais D'accord. ouais. Pourquoi on me parle de chewing-gum? Parce que j'en ai à côté de moi dans ma portière. Ah, voilà. Et puis Ah, que lui, il adorait ça, les chewing-gums. ben voilà. C'est chouette. Oh, j'ai entendu parler. Vous avez entendu? Non. Eh ben, dans la vidéo, je regarderai. J'ai entendu une voix d'homme. Vous êtes toute seule? Oui, je suis toute seule. Ouais, j'ai entendu une voix d'homme. Donc, il faudra bien écouter avec un casque après, hein. D'accord. Alors, il ne veut pas revenir hein, sur son départ. Si c'est assez, D'accord. touchant et tout ça, donc il ne veut pas revenir là-dessus. Voilà, il a mis fin à ses jours. Il veut pas me dire plus par rapport à ça. Mais par contre, il veillera sur vous, hein, de toute façon, de là où il est. D'accord. Ouais. Et qu'il faut continuer. Il faut continuer votre vie. C'est important. Et qu'est-ce qu'il voit par rapport à ça? C'est-à-dire, vous voulez savoir quoi? Par rapport en fait vie professionnelle, vie sentimentale, vie. Alors déjà, par rapport à la vie sentimentale, comme il disait tout à l'heure, quand ce sera le moment pour vous d'ouvrir votre cœur, il faudra le faire, vous voyez? Parce qu'en D'accord? fait j'ai déjà quelqu'un en fait dans D'accord. mon cœur, mais pour l'instant rien n'est officiel. Ouais. Parce qu'en fait, c'est notre ex-beau-frère à tous les deux. Et en fait, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à moi. Et voilà. Ok. Alors, je pense pas que ça sera cette personne-là. D'accord. Ouais. Par contre, vous avez envie de déménager? Bah non, pas prochainement, mais peut-être dans 2 ans. Ouais. Ouais, parce que vous n'allez pas rester là où vous êtes. D'accord. Ouais. Par contre, il vous met en garde hein, par rapport aux rencontres de ne pas ouvrir votre cœur à n'importe qui. D'accord. C'est quelqu'un qui jouait au jeu. Au jeu Grattage et machin comme ça. oui. Ah, est-ce qu'il vous montre des jeux de grattage? Bah continuer, hein. Peut-être que vous gagnerez le gros lot. Bah, peut-être. Il me parle de son odeur. Alors, est-ce qu'il Alors, avait un... son parfum ou Ouais, c'est quelque chose peut-être son comme ça. parfum, ouais. Bah retenez parce que peut-être que vous allez le sentir ou je sais pas, il me parle de son odeur. D'accord. Hein?
Mais ouais. Mais il avait parlé au travail et tout qu'il allait se foutre en l'air. Non, j'ai aucune connaissance de ça. Ouais. Parce que de ce qu'il me dit, c'est comme si ça lui était sorti comme ça, ouais, vous rigolez, mais ouais, si un de ces quatre, je vais vous foutre en l'air. Et en fait, on s'est moqué de ça, en fait. Vous voyez? D'accord. Ben non, j'ai aucune Ouais. non, aucune connaissance de ça. Ok. Ok. Il était gourmand, Stéphane? Oh que oui, très très gourmand. Alors là, je ne sais pas si c'est son gâteau préféré, mais il me montre une espèce de... Alors, ça ressemble à des choux ou je ne sais pas quoi. Il y a Oui, beaucoup des de... profiteroles ou des choux crèmes. Ouais, et il y a beaucoup de chantilly. D'accord, bah oui, c'était quelque chose qu'il aimait faire, ça. Ouais. Mais c'était son métier? Oui, il était boulanger, pâtissier, cuisinier. Ouais. Ouais, parce que ma fille, c'est pareil, elle a des bases de pâtissière. Et puis, la manière dont il montre les choses, je dis, bah, tiens, ça me paraît quelqu'un qui travaille là-dedans. Oui, Parce qu'il il il y était a de des ce métier-là. techniques. Hein. Ouais, il y a des techniques. OK. Par contre, il me dit qu'il n'évoluait pas au niveau de son travail. C'était Non. redondant, c'était... Ouais. Non, il n'avait jamais le droit à sa chance. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, il me dit qu'il était fatigué, fatigué. Alors, quand ils tiennent des fleurs dans les mains, c'est qu'il doit y avoir un anniversaire bientôt. Alors, bah non, bientôt, non. Bah, le prochain anniversaire, c'est Didier, mais c'est au mois de décembre. Ouais, c'est peut-être ça. C'est qui pour lui? C'est son ex-beau-frère, en fait. C'est la personne avec qui on est D'accord. très proche, en fait, en ce moment. Ouais. Et on a su qu'on avait des sentiments l'un envers l'autre, mais on veut se préserver parce que sa sœur, en fait, à Stéphane, c'est son ex-femme, mais elle lui fait pas mal de misère. Ouais. Alors, je pense que c'est pour. Alors, soit c'est pour l'anniversaire, ou soit c'est simplement pour dire aussi que c'est OK avec ça, quoi. Parce que sinon, peut-être rien à voir, mais ça va être l'anniversaire de décès de mon papy qui est décédé il y a un an. Ah, c'est peut-être ça. En Au mois général, quand ils d'octobre. ont des fleurs dans les mains, hein, pour moi, quand ils sont avec moi, c'est un anniversaire, quelque chose à fêter. Ça peut être un anniversaire, un événement, voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord, parce que mon papy, ça fait un an qu'il est décédé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Un deuxième papa. Est-ce que le prénom Jackie, ça vous parle? Jacques ou Jackie? Jackie, c'est le cousin de Didier qui est décédé d'un suicide en 2004. Et D'accord. Stéphane le connaissait. Ok, bah, il a dû le voir parce qu'il me parle de Jackie. D'accord. Ok. Ah bah si, les fleurs.
Ah bah si, j'y suis. C'est que c'est l'anniversaire de la maman de Jackie au mois d'octobre. Ah ben voilà. Voilà. Ouais, en plus, il dit ça juste après. Et j'y suis invitée. Ouais. Quoi que tu fasses, alors je répète ce qu'il dit, hein. Quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours. D'accord. Moi aussi, je l'aimerais tout le temps. Alors, si vous entendez aboyer, je suis désolée, c'est mes chiens. Alors, Ça mon me fait fils. rire parce qu'on dirait son chien, en fait, à Stéphane. Ouais. Comme quoi, des fois, ça arrive que quand on fait une séance, il va y avoir des bruits ou on va entendre que, je sais pas moi, une sirène ou une église. Et ça a toujours une connotation après pour le consultant. Comme quoi, ben, c'est peut-être un coucou du chien. Ben ouais, peut-être Mouchka, parce que Mouchka est décédée en 2009. Ouais. C'est normal que je manque de souffle avec Stéphane. Oui, ça peut, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était très émotionnel et il gardait tout pour lui et souvent il bloquait sa respiration, il faisait de l'apnée du sommeil. Ok. Ouais, parce que je ressens, j'ai du mal à. Ok. Et puis, son acte était une pendaison aussi. Ouais. Alors, ça peut couper le souffle. Ok. Alors, ses énergies commencent un petit peu à descendre, mais en même temps, il a bien donné, hein. Il a bien donné. Mais on va aller jusqu'au bout, hein. Mais je voulais juste savoir un peu sur mon plan professionnel parce que je suis un peu perdue et j'aimerais avoir quelques infos s'il en avait ou pas parce que là je sais plus si je suis sur la bonne route quoi. Vous faites quoi comme travail? Avant j'étais aide-soignante, je suis partie en CAP petite enfance parce que j'ai changé de métier et là je suis redevenue en fait en tant qu'aide-soignante mais à domicile un peu comme la DMR. Mais je vois que ça ne me correspond pas plus que ça et j'aimerais me mettre à mon compte. Ouais. Ah, je devrais me faire confiance parce que c'est vrai que avant de vous demander, j'avais vu que vous étiez dans l'aide-soignante. Des fois, je me fais pas confiance. Bref. D'accord. Donc, vous aimeriez vous mettre à votre compte. Oui. Votre mari, vous dit de vous écouter. D'accord. C'est-à-dire, je pense que lui, il n'a pas eu ce courage-là de bousculer un peu sa vie professionnelle et vous voyez, d'évoluer plus, de faire en sorte, vous voyez, d'être dans l'expansion. Et là, ce qu'il vous dit, c'est vraiment écoute-toi et vas-y, quoi. Vous voyez, de ne pas avoir peur. D'accord. Il dit que c'est important de faire quelque chose que tu aimes. Ouais, parce que j'aimerais faire la formation après de doula. C'est comme sage-femme, mais c'est pas reconnu comme Ouais, sage-femme. je vois ce que c'est. Et c'est aussi dans la spiritualité et ça me Ouais. plaît en fait. Mais il faut que je sache en fait avancer, mais il y a trop de choses dans ma tête et. En tout cas, lui, il vous dit de vous écouter et d'aller vers ce que vous aimez. D'accord. Ouais. C'est une formation avec Nes Oui. Nes. Bah là, allez-y parce qu'elle est top. D'accord. Ouais, c'est ce qu'elle fait, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement spirituel. C'est fou parce que c'est elle qui a fait une des premières bougies tout au début, elle faisait des bougies. Et D'accord. c'est elle qui m'en a fait une de ma sœur, donc c'est marrant. Ok. Ouais. Donc il me dit ça, que c'est Nes et tout ça, donc allez-y. D'accord.
il veut que vous viviez les choses, c'est-à-dire que faites les choses qui vous donnent envie, ce que vous avez besoin. Il faut vivre, c'est important. D'accord. Ouais, il veut vous voir vivre. Ouais. Par contre, il vous dit aussi par moment de prendre des temps de repos. Ouais, mais ça, je sais pas le faire, Ouais, malheureusement. mais il me montre qu'il faut vous proscratiner en fait sur votre canapé, vous voyez? Ne rien faire. Voilà, c'est des moments qu'il faut. C'est-à-dire bah, peut-être faire cette formation, vous voyez, qui vous permettra vraiment d'être dans un univers pour vous apaiser, pour prendre le temps, hein. Faut prendre le temps. Vous avez un bol tibétain? Non, j'en ai pas. Retenez ce qu'il m'en montre. Hein. D'accord. Il me dit que vous êtes belle. Surtout vos yeux, qui me dit. Ben oui, il disait en plus qu'il adorait mes yeux. Je suis vraiment contente pour vous parce que quand il y a plein d'amour comme ça, c'est tellement fluide. C'est tellement beau. Il adore faire le pitre. Ok, oui, ça, il savait le faire, mais quand il était bien encore. Là, les derniers temps, c'est plus le même homme. Ouais, mais lui, ce qu'il veut que vous. S'il parle de ça, c'est qu'il veut que vous reteniez ça de lui. Vous voyez? En fait, il me fait comprendre que tous les deux, ça a été une chance de vous rencontrer, en fait. D'avoir vécu quelque chose ensemble, même si ça ne s'est pas terminé. Comme il aurait, vous voyez, ça n'aurait pas dû se terminer comme ça en fait. Mais lui, ce qu'il retient, c'est vraiment tous ces moments passés ensemble, la rigolade, etc. D'accord. Il a perdu une dent, Stéphane? Oh oui, il en avait perdu plusieurs, oui. Ouais, on parle de ça. Voilà. Il est drôle. Il est drôle et il vous aime, mais les autres peuvent pas comprendre qu'il me dit. Et quand vous me dites qu'il m'envoie plein de signes, est-ce que ça peut être des plumes? Est-ce que ça peut être quoi Ça en peut fait? être tout. À partir du moment où vous voyez un signe, que ça soit une plume, un cœur, les défunts, des fois, ils vont même au-delà de ça. Ça peut être une chanson, une odeur, une ampoule qui brille, comment dire, qui clignote, la télé qui s'éteint, un effleurement, on a l'impression qu'on a froid alors que il n'y a rien. D'accord. Vous voyez, ça peut être plein de choses. À partir du moment où que tout de suite vous pensez à lui, c'est que c'est lui. D'accord? D'accord. Vous avez fait un cinéma avant qu'il parte? Non. Pourquoi il me parle d'un cinéma? Alors là, j'en sais rien. Et parce que, est-ce que il aimait le cinéma? Stéphane, oui, il aimait le cinéma. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça me fait rire. Mais il me parle du film Top Gun. Ouais, peut-être. Mais après, il aimait beaucoup la télé, Stéphane. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il me parle de Top Gun. Alors, attendez, parce que j'ai ma fille qui m'écrit. Excusez-moi. Je lui dis que je suis en séance. Voilà. Il me parle du cinéma. Il me parle de Top Gun.
D'accord. Retenez, hein, parce que si vous entendez une chanson où vous êtes amené à allumer la télé, il y a Top Gun. D'accord. Il y a peut-être quelque chose à comprendre avec ce film-là, je ne sais pas. Bon, ben, je vais me le marquer quelque part pour. Vous inquiétez pas, c'est sur la vidéo. D'accord. Est-ce qu'il connaissait un Frédéric? Ben, c'était Freddy. Ok. Il est décédé, par contre. Ouais, bah, il l'a vu aussi de l'autre côté. D'accord. Ok. C'est le frère d'une amie, mais il l'a connu depuis tout petit. Ouais. Ah, il n'est pas tout seul, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais il est peut-être avec mon papy, alors, j'espère. Alors, là, devant moi, il est tout seul, mais il me montre, voilà, qu'il a vu telle ou telle personne. Et alors, c'est pas parce qu'il m'en parle pas qu'il ne l'a pas vu, hein. Ouais. D'accord? Mais votre papy, il avait des problèmes de hanche. Hanche, non, respiratoire, oui. Il chutait beaucoup en fait dernièrement, mais problème de hanche, non, pas plus que ça. Alors, parce que moi, j'ai une personne juste à côté qui a, comment dire, qui a du mal à se mouvoir au niveau des jambes. C'est pour ça que je vous demande s'il n'avait pas un Ah problème de bah oui, hanche. parce qu'à la fin, en fait, il était obligé de prendre un déambulateur pour Voilà, c'est pouvoir ça. bouger. Ouais, ben, il est là. Il est là. Ouais, Auguste. Il vous embrasse, mais par contre, il vous fait des bisous très. Ah oui, c'était comme ça, lui, qui faisait ses bisous, en fait. Ouais. Alors, il vous dit, votre papy, alors très rapidement, parce qu'il est un peu plus loin que votre mari, qu'il ne faut pas vous inquiéter, ils sont là derrière vous. Voyez? D'accord. Hein? Par contre, votre papy vous remercie pour les bougies, pour les pensées, les choses que vous avez faites pour lui, vous voyez? Il remercie pour ça. Parce qu'en fait, mon papy, en fait, je reflète sa vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il a eu dans sa vie, en fait, c'est en train de se produire pour moi. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme à 35 ans, j'ai perdu mon mari à 35 ans. Et sa famille, en fait, sa femme, en fait, a été odieuse avec lui. C'est ce que j'ai vécu aussi. Et sauf que lui, en fait, il n'a pas pu refaire sa vie avec l'amour qu'il avait, en fait, avec une autre personne. Et il s'en est toujours mordu les doigts. Et quand il est décédé, en fait, il m'a dit, je te laisse le flambeau, à toi d'avancer, mais ne refais pas les mêmes erreurs que les miennes. Voilà, c'est ça. Mais il est derrière vous. Et par contre, ce qui serait bien, c'est vraiment aussi de couper les liens transgénérationnels. Ouais, C'est-à-dire bah on m'a dit que de faire ça avec une énergéticienne. après, vous pouvez le faire avec le livre de Natacha Calestrémé. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ça serait bien d'aller voir. Il y a plein de vidéos sur YouTube où elle explique plein de choses et ça aide énormément les gens. Parce que, ok, il vous laisse le flambeau. Mais un flambeau qui doit pas vous ralentir, vous voyez? D'accord. Hein? Mais il est derrière vous, hein. Par contre, je ne sais pas pourquoi il me montre comme un espèce de collier, votre grand-père. Je sais Alors, pas. est-ce qu'il était croyant? Est-ce qu'il. Oui, il était croyant, mon papy. Alors. Mais il était déjà dans la spiritualité, parce que il sentait beaucoup de choses, en fait. Ouais. Alors peut-être que vous devez vous accompagner de quelque chose de religieux, d'une croix ou je ne sais pas. Mais il me D'accord. montre comme un collier, ouais, un truc qui pend, donc c'est un collier avec un pendentif. D'accord. Ouais, retenez ça, peut-être que vous allez tomber sur un truc qui vous plaît. Mais par contre, il est derrière vous. Il vous aime. Moi aussi, je l'aime très fort, mon papy. Il est fier de vous. Il est très fier de vous.
Vous avez des questions à poser parce qu'on arrive vers la fin, puis je sens vraiment que Stéphane commence à descendre au niveau vibratoire. Non, c'était juste au niveau professionnel et sentimental, parce que voilà, en fait, je voulais vraiment avoir une certitude par rapport avec Didier ou pas, et il m'a dit qu'il fallait que je suis mon cœur, alors bon, bah, je suivrai ce que. Alors, je ne dis pas que c'est une personne qui va rester dans votre vie, mais le si peu qu'elle peut vous apporter, eh ben, vous prenez. Voilà. D'accord, ok. Parce que Stéphane, il est OK avec ça. D'accord, Ouais, ok. ouais, ouais. Alors, il vous embrasse. Il vous embrasse très fort. Mais guettez parce que vous allez avoir des signes. D'accord, ok. Ouais, Bah, je vais ouais. regarder toujours autour de moi. Ouais. Alors, je le laisse repartir. Je vais couper la vidéo. Hop.